Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la grâce, écrit par Ellen White. Obéir dans la confiance. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Exode 14, verset 15. L'histoire d'Israël a été écrite pour notre instruction. Quand les Hébreux étaient entourés de dangers et de difficultés, et que la route leur semblait sans issue, leur foi les abandonna, et ils murmurèrent contre le conducteur que Dieu avait mis à leur tête. L'ordre divin fut « avancer ». Il ne s'agissait pas d'attendre que le chemin s'ouvre devant eux, et qu'ils comprennent les détails du plan que Dieu avait conçu pour les délivrer. Sa cause doit progresser et le Seigneur ne saurait manquer de frayer un chemin à son peuple. Il y a des moments où la vie chrétienne semble entourée de dangers et où le devoir paraît difficile à remplir. L'imagination place devant nous le précipice, l'esclavage ou la mort. Cependant, la voix de Dieu se fait entendre clairement. Avance. Il faut obéir à cet ordre, sans se préoccuper du résultat, même si nos yeux ne peuvent percer l'obscurité et si nous sentons les vagues glacées atteindre nos pieds. Ceux qui pensent qu'il leur est impossible de se soumettre à la volonté de Dieu et de croire en ses promesses avant que tout soit clair devant eux n'obéiront jamais. La foi n'est pas la certitude de la connaissance immédiate, mais une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Obéir aux commandements est la seule façon de plaire à Dieu. En avant, tel devrait être le mot d'ordre du chrétien. C'est l'intention de Dieu que nous fassions des progrès continuels dans la connaissance et la vertu. Sa loi est l'écho de sa propre voix et elle nous adresse cette invitation « Venez plus haut, soyez saints, toujours plus saints ». Chaque jour, nous devons nous approcher davantage de la perfection du caractère chrétien. En mettant notre confiance en Dieu, marchons de l'avant avec fermeté, accomplissant cette œuvre d'une manière désintéressée. Appuyons-nous humblement sur lui en nous remettant nous-mêmes à sa providence pour notre vie présente et future. Persévérons jusqu'à la fin, nous souvenant que nous recevons les bénédictions du ciel, non à cause de nos mérites, mais à cause de ceux du Christ, et parce que nous acceptons par la foi en lui les nombreuses grâces de Dieu. Priez avec moi en ce matin. Humblement à tes pieds en ce matin, Père, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes. Merci de nous entendre et d'être attentif, Père éternel, aux prières que nous faisons monter vers toi jour après jour. Père, aujourd'hui tu nous rappelles que lorsque tu parles, nous devons avancer par la foi. Nous devons écouter et obéir. Obéir sans se préoccuper de ce qui se passera. Obéir même si nous ne voyons pas les choses aussi clairement que nous le devrions. Obéir parce que simplement tu es Dieu et que nous devons te faire confiance. Oui, donne-nous d'aller de l'avant quoi qu'il arrive. Parce que Père éternel, tu es notre roi, tu es notre protecteur, tu es celui qui sait toutes choses sur nos vies et tu ne nous feras jamais aller en quelque part pour nous perdre. Alors donne-nous en ce matin de croire en tes promesses et que Père éternel, nous puissions, comme le texte l'a dit, aller toujours plus haut, être de plus en plus saints et croître spirituellement avec toi. Père, c'est notre volonté de marcher avec toi de sanctification en sanctification, afin que tu puisses parfaire notre caractère à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Père, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.
Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, nous devons obéir à Dieu tout en lui faisant confiance.